Bonjour à tous, qu'est-ce que vous pensez de cette petite intro, de ce nouveau petit générique que je me suis fait? Donc je vous souhaite donc à tous la bienvenue sur l'Antiquité de A à Z. Aujourd'hui on va un petit peu parler de ce qui est de la Mésopotamie et notamment de la civilisation sumérienne et ensuite un petit peu de Babylone. Je vais vous préciser que la musique là qu'on entend actuellement, c'est pas n'importe quelle musique. Cette musique, alors pour essayer un petit peu d'expliquer cette musique là, pourquoi j'ai pris cette musique là, en fait elle date de 3400 ans. Voilà. C'est une musique qui a été découverte en 1950, qui était écrite en araméen, voilà, hein, sur des tablettes. Et salut Diseux, salut Fasby, Ketrick Kenfit, salut tout le monde. Et donc, pour revenir à ma tablette, elle a été déchiffrée ensuite par le docteur Richard Dunbrill, hein, qui est auteur du livre de l'archéomusicologie de l'ancien Proche-Orient. Donc il a retranscrit un petit peu ce qu'il avait sur les tablettes et ça a donné ce qu'on entend là actuellement. Voilà, donc cette musique a environ 3400 ans. Voilà. Pour la vidéo qui défile, vous aurez tout de suite remarqué du Minecraft, bien entendu. Je l'ai trouvée très intéressante à la mettre parce que c'est très bien reconstitué. Bah, pour une fois que Minecraft fait un truc intéressant, on voit le mec qui aime Minecraft, hein. Donc voilà, pour une fois qu'ils font un truc sympa, vraiment au niveau du détail, je devais la mettre. C'était normal. Donc ce sera en fond, j'espère que c'est pas trop fort, j'espère que la vidéo passe bien, qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, attends, qu'est-ce qui se dit là? Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ouais, c'est clair que le mec, j'espère qu'il n'était pas tout seul, parce qu'à mon avis, aujourd'hui, il doit avoir 78 ans, hein, en admettant qu'il ait commencé à 15 ans. Mais ouais, il a dû s'amuser, ouais, effectivement. Alors, Sumer, Babylone, hein, tout ça, disons qu'on les retrouve dans les Age of Empires aussi, hein, ce sont des civilisations qu'on retrouve dans les Age of Empires, entre autres. Donc, je vais commencer mon petit speech, hein. On va dire ça comme ça, on va commencer ça tranquillement par un extrait de la Genèse. Donc pourquoi un extrait de la Genèse, vous allez le comprendre bien bien assez tôt en fait. Voilà, alors. Un fleuve sortait pour arroser le jardin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse chapitre 2, versets 10-14. Là, on parle donc du jardin suspendu de Babylone, bien entendu. C'est pour ça que j'ai pris cet extrait de la Genèse. Parce que beaucoup de choses qui sont dans la mythologie chrétienne, qui sont dans la mythologie juive et même musulmane, viennent de Babylone. Voilà. C'est un des points, je pense, qui est le point le plus important quelque part à savoir. Vous verrez que beaucoup de choses découlent de cette civilisation-là. Voilà. Donc alors pour situer un petit peu toute cette civilisation, enfin, pas forcément Babylone, parce que Babylone c'est quand même un petit peu après, mais surtout la civilisation sumérienne, elle se situe en fait au sud de l'Irak actuel, hein. Sumer, c'est une région de l'antique Mésopotamie. D'ailleurs, cette région en fait, elle doit son nom au fait qu'elle est traversée par deux fleuves principaux, hein, le Tigre et l'Euphrate. C'est pour ça que ça a attiré et favorisé le développement de la civilisation et donc de l'agriculture au final, hein. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Moi, la musique, elle est un peu forte. Je ne m'entends pas parler en fait. Donc j'ai l'impression de gueuler dans le micro et ça commence à me couir.
Voilà. C'est mieux, je pense. ça allait de ton côté, la musique, Pietrick. Oui, mais bon, non, moi, ça allait pas du tout. Fallait que je gueule dans mon micro. Donc on va continuer tranquillement notre petit tour d'horizon un petit peu de la civilisation sumérienne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec grand plaisir. Si je peux pas, bah, comme d'habitude, je ferai des recherches et je vous répondrai ultérieurement. Hein, voilà. Ce sera plus pratique. Alors, le croissant fertile. Donc il y a une petite carte, voilà. Donc sur cette carte, bah, on voit hein, le croissant fertile. Hein, c'est ici hein, en fait qu'est née l'agriculture telle qu'on la connaît. C'est aussi ici qu'est née l'écriture, les premières traces d'écriture, entre autres. Et c'est aussi ici que sont nées les premières grandes cités, les premières grandes villes. Eh ben, Disseuse, si tu as des bouquins à partager, bon, bah, je te conseille de donner les titres hein, avec les auteurs. Là, sur le chat, avec pourquoi pas bah, comme tu es modo, hein, tu peux carrément mettre un lien pour ceux qui veulent les acheter, que ce soit eBay, Amazon ou autre. Donc voilà, tu as l'autorisation de faire ça. Donc ce sera très bien. Partage ton savoir. Donc, parmi ces premières grandes villes, on va retrouver hein, par exemple Uruk, hein, il y aura Ur, il y en aura beaucoup d'autres. Voilà. Donc, Uruk, la première cité-état. Donc, ça se passe à peu près vers 3300 avant Jésus-Christ. Hein, donc, on est si on remet à aujourd'hui, on est à plus de 5000 ans. Que va se produire la première grande révolution urbaine. Pardon pour les raclements de gorge, hein, c'est une habitude. Donc oui, la première révolution urbaine avec donc l'apparition dans les régions de Sumer de nombreuses cités avec une organisation sociale et hiérarchisée. Pour beaucoup d'entre elles, surtout dans Mésopotamie justement, ce sera dominé par des rois prêtres. Notamment un culte de la déesse de la fécondité aussi, par exemple. Voilà. L'une des plus prestigieuses pardon, cités de ces cités-états, donc c'est Uruk. Hein. Donc Erech qu'on a dans la Bible, qu'on retrouve comme nom dans la Bible, ou aujourd'hui on va l'appeler Warka, ou Varka, je ne sais pas comment on prononce ça. Ouais, si tu veux, ouais, donne-les à la fin, y a pas de souci. Donc, peuplé à son apogée de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, ce qui est, c'est énorme, quoi. Hein, voilà, on n'est pas nombreux, quoi, à cette époque-là. Il y a 5000 ans, si on arrivait à quelques millions, c'était le bout du monde. Et donc. Quelque chose comme plusieurs dizaines de milliers d'habitants, c'est ce qu'on considère comme une mégalopole, quoi. Hein, c'est bien ça qu'il faut se mettre en tête. Elle est donc à l'origine aussi du mythe hein, du roi héros Gilgamesh. Hein, je ferai une émission, je pense, spécialement sur lui, parce que ben, Gilgamesh. C'est en quelque sorte le roi scorpion et Rocco Siffredi, les deux réunis. Hein? Donc je vous laisse imaginer le tableau et je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser en parlant de Monsieur Gilgamesh. Donc Uruk, elle est donc l'origine donc du roi héros Gilgamesh, mais aussi elle est à l'origine de la première écriture de l'histoire humaine. Et ça aussi, c'est quelque chose de vraiment très très intéressant, dans le sens où, dans pardon, les autres civilisations ou pré-civilisations n'avaient pas encore un système d'alphabet parfaitement défini
et n'avaient pas donc l'écriture, quoi. Ne pouvaient pas transmettre un savoir, ne pouvaient pas transmettre des lois. C'était que de l'oral, et c'est d'ailleurs un des grands défauts, enfin, qui fit défaut à la civilisation celtique, pour revenir un petit peu à l'émission que j'avais faite sur la civilisation celte, c'est qu'ils n'avaient pas cette connaissance, enfin, ils connaissaient l'écriture, mais ils ne s'en servaient pas parce que pour eux, c'était pas intéressant. Ils avaient les druides qui transmettaient oralement leur savoir. Cette écriture, il s'agit simplement de petits signes qui sont gravés à la pointe d'un roseau sur des tablettes d'argile humide et qui on va ensuite faire sécher au soleil ou les cuire carrément au four. Ces petits signes donc en forme de clous, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, ça ressemble à des clous. Honnêtement, j'ai vu mieux, hein, en écriture, mais c'est intéressant. C'est ce qu'on va appeler du cunéiforme. Donc ça provient du latin cuneus, qui signifie coin. Donc alors là, on ne peut pas faire plus, hein, plus logique pour le coup. Voilà, un exemple d'écriture cunéiforme. Alors ne me demandez pas ce qu'il y a d'écrit, j'en ai strictement aucune idée. Hein. Je ne lis pas le cunéiforme. J'arrive à me dépatouiller un peu en égyptien, mais pas en cunéiforme. Faut pas, non, faut pas déconner quand même. Ça fait. Non, j'ai déjà du mal avec le français, mais si en plus. Bon. Bon, conneries mises à part. Une autre cité. Parce que là, on vient de voir Uruk, hein, qui, voilà, je le répète, est la cité du roi héros Gilgamesh, le bassin de l'écriture, etc., etc. Mais une des autres grandes cités donc, de cette civilisation sumérienne, c'est également Ur. Ur, la cité d'Abraham. Donc, c'est sur les bords de l'Euphrate. Hein, on peut voir, hein, toujours sur la carte, pour ceux qui ont de bons yeux, ils peuvent regarder un petit peu sur la carte que j'ai mise. On voit Uruk et Ur. Donc, elle est vraiment située sur les bords de l'Euphrate. Elle se développe au cours du millénaire suivant, donc c'est-à-dire on est donc Uruk 3300 environ, donc autour de 2000 avant Jésus-Christ. Hein. Et donc c'est ici que serait originaire Abraham et enfin celui qui est à l'origine du peuple hébreu. Le cunéiforme. Alors, le système a été inventé pour le commerce. Oui, bah oui, c'est ça, pour pouvoir transmettre des informations. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Après, je suis pas rentré non plus dans les détails parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Disons qu'une, enfin, en 2 heures, c'est pas possible. Faudrait 2 jours. 2 jours après, j'ai soif. Déjà, 2 heures, c'est limite. C'est surtout une nécropole hein, qui témoigne de la grandeur de la civilisation sumérienne. Hein. Enfin, il y a environ 2000 tombes qui sont superbement décorées, même meublées pour certaines. Elles sont à peu près contemporaines des pyramides. Donc, vous voyez, c'est environ ce que je disais hein, quelque part. Là, on est entre les pyramides, c'est entre 2700 et 2500 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, de l'époque de Sumer, de cette époque sumérienne, on conserve beaucoup de cylindres sceaux, hein, des milliers de tablettes d'argile recouvertes d'écrits et d'innombrables œuvres d'art, des représentations de dieux et de rois. Voilà, c'est vraiment un tas de choses qui nous est quand même parvenu, mais qu'on a mis très longtemps à redécouvrir et à interpréter de la bonne manière surtout. C'est aussi pour ça que quelque part Babylone, les jardins suspendus, etc., cette civilisation sumérienne et tout, c'est quelque chose qui va encore faire aujourd'hui fantasmer. Parce qu'on est encore en train de découvrir des choses dessus. Qui sont vraiment. C'est vraiment une civilisation très très intéressante. Ça témoigne en fait vraiment des avancées quoi qu'il y avait à l'époque, des avancées même exceptionnelles de cette civilisation, que ce soit intellectuellement ou technologiquement, c'est vrai, c'est un truc de fou. On a des productions de textiles qui atteignent une apogée mais phénoménale. C'est limite une des à atteindre des dimensions industrielles, quoi. C'est vraiment quelque chose de grand.
On a tendance à juste vouloir parler des Grecs, enfin de la civilisation grecque, de la civilisation romaine, ou déjà à ce moment-là on occulte un peu les Celtes, alors qu'ils sont eux aussi une très grande civilisation. On parle beaucoup de la civilisation égyptienne, avec les pyramides, mais on oublie beaucoup sur la civilisation sumérienne. Et c'est dommage, parce que voilà, ils ont atteint en l'espace de quelques millénaires, enfin de 2 millénaires, on va dire, ce que nous, on aura mis autant de temps à accomplir. Donc voilà, l'ère industrielle, elle n'est pas si vieille hein, chez nous. Donc en agriculture également, ils étaient super doués hein, vers 3000 avant Jésus-Christ. Les paysans, ils inventent le système d'irrigation, hein, avec et l'arrière à semoir aussi. Voilà. Par exemple, ouais, c'est des petites choses comme ça qui font de ce peuple vraiment une civilisation incroyable. À la même époque, en fait, il va apparaître les premières roues pour le transport. Les roues, qui sont pas que celtiques, hein, même si le perfectionnement de ce système-là est celte, mais ça existait avant quand même. Ça découle des civilisations indo-européennes de toute manière. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Les tours de Poché, par exemple. Voilà. Encore une chose qui sont inventées par les Sumériens. Les apports de Sumer qui s'étendent même à l'astronomie et au calcul. Par exemple, un truc très con. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose bah, que j'avais entendu un petit peu, que j'avais survolé il y a longtemps de ça et que j'avais oublié. Et je suis retombé dessus en préparant cette émission. Aux Sumériens, nous leur devons la division sexagésimale du temps et du cercle, c'est-à-dire bah, 60 minutes en 1 heure, 24 heures en 1 jour, 360 degrés sur un cercle. Ça, c'est eux. Voilà. Ça, c'est eux. C'est pas arrivé avec la civilisation arabe, qui était une très très grande civilisation aussi, très forte en calcul également. C'est pas arrivé avec les Grecs, c'est pas arrivé avec les Romains, c'est pas arrivé avec les Égyptiens, c'est arrivé avec les Sumériens. Diviser un cercle en 360 degrés, disons qu'il devait être sous champi quand même, hein, le mec, pour pouvoir trouver ça, mais il fallait le trouver, quoi. Allez visiter la zone consacrée à la Mésopotamie au musée du Louvre, c'est impressionnant. Oui, bah oui, faudrait. Effectivement, oui, il faudrait. Moi, j'ai vu qu'en photo, mais oui, il faudrait. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Je suis d'accord avec toi. Donc, on va passer au déclin. Hein, voilà, le déclin et la Renaissance, hein, parce que c'est pas tout que fini non plus, hein, faut pas déconner. Donc en fait, c'est cette écriture, avec l'écriture, les chefs sumériens vont se transmettre vraiment facilement les ordres. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, parce que ça marche pour le commerce, hein, comme disait Tisseuse, ce qui est très vrai, mais ça marche aussi pour le militaire. Et que, bah, disons que pouvoir transmettre des messages directement, sans passer par le bouche à oreille, bah, ou enfin plutôt le téléphone arabe, pour le coup, disons que c'est quand même beaucoup plus intéressant et ça facilite grandement les ordres, quoi. Ça, c'est clair et net. Et cette autorité-là va continuer à s'accroître et ça va conduire à la naissance d'un véritable État avec une administration efficace. C'est pour ça que c'est l'une, c'est même pas l'une, c'est la première grande civilisation du monde. Voilà. Pendant le 3e millénaire avant Jésus-Christ, les cités-États de Sumer, elles vont se foutre sur la gueule, bien sûr. Hein, ça, y aura toujours, de toute façon, ça s'est toujours fait, ça se fera toujours. Hein, mais bon, voilà. C'est ça, en fait, qui va causer leur perte, quelque part. Et c'est quand même con, quoi. Je sais que je suis chiant à faire le rapprochement toujours avec nos copains celtes, s'il y en a qui sont là.
Mais quand on regarde bien, finalement, les Celtes, c'est un petit peu pareil. Ils étaient tellement occupés à se mettre sur la gueule, bah, que dès que César il est arrivé, bah, ah, tu peux pas m'aider, je vais aller taper le voisin. Ah bah ouais, pourquoi pas, allez, c'est parti, on est fou. Bah, et puis du coup, bah, la Gaule est devenue, enfin les Gaules sont devenues province romaine. Hein. Bah là, c'est un petit peu le même système, mais avant. C'est-à-dire que vers 2320 Jésus-Christ, la région de Sumer va être soumise par un conquérant venu du pays d'Akkad. Donc l'Akkadie, c'est au nord de la Mésopotamie. Et c'est donc Sargon Ier, le roi d'Agadé, hein, qui va mettre une petite déculottée aux Sumériens. Et bah du coup, bah, c'est forcément, avec ça, c'est le déclin rapide de la dynastie akkadienne, hein, qui entraîne la renaissance des cités sumériennes après à la mort de Sargon Ier. Voilà. Ur, Lagash, prince de Gouda, etc. Toutes ces choses-là. J'aurais pas sauté une page, moi, dans mes conneries. Mais... Ah bah non, même pas. Moi, tant mieux. Ouais, j'ai cru. J'étais en train de me perdre. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, parce qu'en fait, je prépare. Donc, quand je prépare mes trucs, j'ai des notes. Donc, voilà. en fait, cette renaissance, elle va avoir surtout lieu par rapport à l'irrigation et la paysannerie, hein, qui vont avoir vraiment des surplus tellement importants. Tellement important au point de pouvoir nourrir les Sumériens et faire des cités atteignant jusqu'à plus de 40 000 habitants. C'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est ce que je disais tout à l'heure, enfin en début d'émission, si on atteignait quelques millions, c'était le maximum, hein, sur la planète. Ben, en fait, on était 10 millions sur la planète à cette époque-là. Voilà. Environ, hein. On est environ 10 millions d'individus sur la planète, dont 40 000 dans la cité de Ur. Le ratio, il est quand même intéressant, quoi. C'est réellement une mégalopole. C'est vraiment ce que je disais, c'est une mégalopole. Et au tournant du deuxième millénaire, hein, donc après 2000 avant Jésus-Christ, ces cités-États vont laisser place à une cité de Mésopotamie centrale, hein, promise à une destinée vraiment grandiose. Et bah, c'est ce qui allait devenir par la suite Babylone. Voilà. Babylone, on la voit déjà sur la carte. Hein, elle est déjà là. Mais c'est Ur, Uruk ont eu leur grandeur de gloire. Au troisième et mille jusqu'au milieu du deuxième millénaire, et après, donc, c'est surtout Babylone qui va prendre la relève. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, là, on est sur le deuxième point que je comptais aborder. Donc, si vous avez déjà des questions par rapport à Sumer, etc., diceuse. Sur les Sumériens, si tu as des références à donner, tu peux les donner. Hein, en gros, c'est l'entracte. Hein. Donc je sais, je suis hyper rapide, c'est très chiant. Voilà, c'est bon. Mais on fait comme on peut. Donc oui, donc bah, pas de questions. On est combien? 4. Hein, ah bien, 4, bien, bien, putain. C'est 4 de plus qu'à la dernière. Merci tout le monde. Ah, et même le copain Zariel. Salut Zariel. Donc, bah, je vais faire un récapitulatif, hein, comme on fait d'habitude, bien entendu. Ah, juste pour ceux qui arriveraient là maintenant. Alors, en technologie militaire, bon, cette époque, t'imagines bien, Zariel, qu'on est à l'âge du bronze. Hein, donc, et c'est justement l'un des problèmes que va connaître Babylone plus tard. Je vais en parler un petit peu. Mais bon, en gros, l'aspect technologique militaire, c'est surtout de l'infanterie. Un petit peu de char, mais. C'est même pas des chars en fait. C'est vraiment quelque chose. Il n'y avait rien, pour ainsi dire, rien. C'est principalement de l'infanterie, de la cavalerie par contre aussi. Voilà. Le truc de base en fait, hein, c'est ni plus ni moins.
vraiment le truc de base. Mais ça fait comme, quelque part, ça fait comme les Grecs. Hein. Quand on regarde bien la péninsule grecque, bon, ce sont des cités-États hein, qui sont encaissés dans un petit territoire. Et quelque part, quand on rapporte ça à la Mésopotamie et aux cités sumériennes, c'est la même chose. Donc disons qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une immense armée, puisque bah, pour la défense des villes, oui, il y avait beaucoup de militaires pour la défense des villes, mais pour la guerre à l'extérieur, non, c'était des contingents plus qu'une armée véritable. Voilà. Il y a eu des conquérants, hein, bien entendu, mais bon. 40 000 habitants, quand on entend des fois, enfin quand on voit dans des films, des jeux, des trucs comme ça, des armées gigantesques, bah, je sais pas où c'est qu'ils les trouvent, quoi. Hein, voilà. Alors, d'abord un classique, l'histoire commence à Sumer, de Samuel Noah Kramer. Voilà. C'est le spécialiste des Sumériens, passé sa vie à déchiffrer les tablettes d'argile. Bah tant mieux pour lui, hein, moi il a commencé à 15 ans, il en a 90, c'est ça? Et puis il a juste déchiffré deux mots. Et ce bouquin présente une série de traductions parlant de toutes sortes de domaines, éducation, justice, mythologie. Ouais. Bah, de toute façon, oui, la mythologie, au niveau mythologie, Zariel, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou quoi. La mythologie, c'est pareil, il y a énormément à dire. Parce qu'elle est intimement liée au mode de vie des gens de l'époque, à cet endroit-là en tout cas. Et du coup, là aussi, il faudrait une émission spéciale sur bah, tout ce qui est la cosmogonie et la mythologie. Des Sumériens, parce que c'est quand même très très complexe également, puisque comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, ce sont des prêtres, des rois prêtres en fait, hein, des prêtres rois. Donc, séparation de l'église et de l'état, c'est pas encore pour maintenant. Donc voilà, hein, c'est pas forcément évident à survoler en tout cas, hein, c'est surtout ça quoi. Là, je survole la civilisation. C'est pareil, je ne vais pas rentrer vraiment dans un point de détail, parce que, comme Gilgamesh, on est dans la mythologie également, même s'il a réellement existé, hein, le personnage Gilgamesh, on a des traces et tout, mais ça a engendré tout un tas de légendes et de mythes autour de ce personnage. Qui en font bah, un peu hein, comme l'épopée d'Ulysse, enfin la guerre de Troie, tout ça. On sait qu'il y a eu une bataille à Troie, machin, mais voilà. Après, pour essayer de recoller les morceaux, c'est pas toujours simple. Alors, l'autre livre de l'archéologue Jean-Claude Simoin, ou Simon, je sais pas comment on prononce, ou Simoin, ça fait comme Citroën. Alors, l'épopée de l'archéologie, d'accord. Celui-là parle des différentes civilisations dans Sumer. D'accord, ok. Oui, c'est surtout de l'archéologie, là, par contre. Voilà. Mais Sumer, enfin, les Sumériens, on a vraiment redécouvert ça, réellement, hein, qu'à partir du milieu du XXe siècle. On connaissait un peu avant, hein, ça faisait fantasmer, etc. Hein, la tour de Babel, les jardins de Babylone, machin et tout. Mais c'est sûr, mais les preuves archéologiques, c'est vraiment à partir de 1940, 1950 qu'on a vraiment réussi à se faire une réelle vision de cette civilisation. Ou avant, pas tant que ça. Hein, pas tant que ça. Pas tant que ça. Avant, si tu veux, avant, on était dans l'imaginaire, le fantasme. Le fantasque du truc. Il y avait du sérieux aussi, hein. Attention, c'est pas je dis pas le contraire. Mais pour vraiment commencer à avoir les grosses connaissances qu'on a aujourd'hui sur les Sumériens et Babylone, c'est à peu près
vers 1940-1950. Oui, mais c'est non, mais c'est ça. Même avant le début du 20e, de toute façon, puisque à l'exposition universelle, donc pour l'inauguration de la Tour Eiffel, etc., il y avait aussi un truc sur Babylone. Donc voilà, on est fin 19e, fin 19e, début 20e, c'est kiff-kiff. On est vraiment sur du fantasmé. Je parle pour le grand public, hein. Après, pour les spécialistes, oui, c'est pas pareil. Mais pour le grand public, c'est quelque chose de fantasmé. Pour que le public commence à réellement comprendre cette civilisation, finalement, qu'on puisse leur apporter des preuves concrètes, palpables et tout, c'est vraiment 1940-1950. La porte d'Ishtar, elle n'a pas été reconstruite depuis bien longtemps, quoi. Hein. C'est ça aussi, hein. Et on a seulement, il n'y a pas longtemps qu'on a compris comment qu'ils arrivaient à faire leur brique bleue. Hein. Donc, voilà. Les rivières d'or de l'ancienne Babylone. Ah là là, ouais, les rivières, effectivement. Ouais, mais ça, toi, je vais pas. C'est des choses que je ne veux pas trop aborder non plus. Les rivières d'or. Babylone, en fait c'est pareil, toi. Je reviens à ce que je disais, c'est du survol. Pour le moment, je fais du survol des civilisations. À plus je ferai des missions, à plus je vais commencer à rentrer dans les détails. Là, pour le moment, j'expose plusieurs civilisations sur les quatre coins de la planète. Voilà. J'ai fait les Romains, enfin, j'ai même pas encore fait les Romains, j'ai fait les Celtes, là je fais les Sumériens. En mythologie, j'ai fait les Grecs, j'ai fait les Égyptiens. Il reste tout un champ encore à découvrir que je n'ai pas encore fait. Et quand j'aurai fait ça, je vais pouvoir rentrer vraiment spécifiquement sur un point de détail. Et j'ai commencé à vous montrer un petit peu, j'ai fait un test pour savoir si ça vous intéressait ou pas, avec les Thermopolia à Rome, avec les fast-food à Rome, qui est vraiment un point bien spécifique d'une civilisation. Voilà. Donc, pour le moment, je survole les choses, je rentre pas en profondeur. Ça viendra plus tard. En préparant ces survols de civilisation, ça me permet également de pouvoir anticiper sur ce que je ferai plus tard. C'est-à-dire que là, je sais que je vais parler un jour ou l'autre de la mythologie et de la cosmogonie babylonienne et sumérienne. Je vais parler également de l'épopée de Gilgamesh, parce que ce sont deux choses qui sont très complexes à raconter et également très très intéressantes. Et on s'amuse assez en même temps. Hein. Voilà, là, je rentre pas dans les détails, je fais un survol. On va dire que. Comment je pourrais appeler ça? Une sorte de cahier des charges, en fait. Qu'est-ce qui va marcher? Enfin, voilà, je me dis, bah, je vais faire ça, ça et ça. Et là, je fais des essais. Je fais des protos, hein, voilà, pour savoir, etc. Hein. Donc, on est dans la conception d'un cahier des charges quelque part. Donc, en gros, c'est ça. Hein, voilà. Petit à petit, je rentrerai dans des trucs vraiment, vraiment précis, vraiment, vraiment spécifiques. Et je ne sais pas si vous remarquez déjà un petit peu, mais entre les deux, la première et la seconde émission, et maintenant. Je suis déjà un petit peu plus sérieux. Je dis toujours des conneries, hein, ça de toute façon, le jour où je raconterai pas de conneries, c'est quand je serai mort. Mais disons que j'essaye de petit à petit apporter un peu plus de sérieux à chaque fois. Même si je. Après, mais ça c'est moi, hein, même si je vais divaguer un petit peu partout. C'est moi, c'est mon caractère qui est comme ça. En gros, je m'amuse de cette manière-là. Voilà.
Donc là, j'allais faire un petit récapitulatif donc, de la civilisation sumérienne. Donc on est autour du 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc il y a un peu plus de 5000 ans. Hein. Va commencer à apparaître les premières grandes civilisations, donc, et notamment la civilisation sumérienne, avec comme le montre la carte, qui est située dans l'Irak actuel. Et qui va connaître une croissance phénoménale au point d'atteindre des cités-États de plus de 40 000 habitants, hein, alors que la planète en compte à peine 10 millions. Croissance sur l'agriculture avec des inventions vraiment incroyables comme l'irrigation, ça a l'air con aujourd'hui, mais à l'époque, c'est quelque chose qui change la vie. Naissance de l'écriture également. Ça aussi, c'est pour le commerce, enfin, commercialement, militairement, etc. Pour la transmission des connaissances, pour la transmission des lois. C'est hyper important de pouvoir avoir un alphabet bien défini et qui puisse être facilement compréhensible de tous et qui puisse être facilement écrit. Et donc ces tablettes d'argile en cunéiforme dont on voit un extrait un petit peu plus bas là sur l'écran, c'est vraiment la première grosse écriture qui nous est parvenue et qu'on découvre encore chaque jour quelque part. Comme c'était des cités-États, bah du coup, comme chez les Grecs, ils se mettent un petit peu sur la gueule, donc ça a un petit peu causé leur déclin. Comme ça, voilà, ils sont un petit peu entre-déchirés. Et c'est un Acadien qui va mettre un peu le coup de grâce, quoi. Et puis voilà, en fait. Mais c'est pas non plus le déclin. Enfin, c'est pas la mort, c'est le déclin, mais c'est pas la mort. Parce qu'il y a cette agriculture qui est florissante, parce qu'il y a cette technologie qui est florissante, en fait, cette civilisation, elle meurt pas, elle va intégrer les autres peuples autour, les peuples envahisseurs. Ils vont s'y installer et ils vont prendre la place, quoi, mais ils vont pas raser. Le seul qui va faire le con, c'est quelque part, hein, y a Alexandre, quoi, hein. Mais je suis d'accord, le grand public a redécouvert l'avant-Égypte. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je dis, oui. C'est ce que je disais, le grand public a redécouvert l'avant-Égypte que récemment. Oui, c'est ça. Et j'ai jamais dit après dans les milieux scientifiques qu'ils étaient ignares jusqu'en 1950. C'est pas ce que j'ai dit. Aux Sumériens, pour reprendre un petit peu le résumé de ce que j'ai dit là sur la civilisation sumérienne, les Sumériens ont également inventé le découpage du cercle en 360 degrés, le découpage d'une journée en 24 heures. Voilà, c'est vraiment une grande civilisation à qui on doit énormément. Voilà. Et donc, j'allais un petit peu aborder, enfin à moins que vous ayez d'autres questions, mais sinon je vais aborder maintenant Babylone, hein, qui est la suite logique et directe de la civilisation sumérienne. Donc je vais attendre 5 minutes quand même, histoire de savoir si vous avez des questions, si vous avez des remarques, etc. Ou pas. Alors, Babylone, déjà, c'est pas un film avec Vin Diesel, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Babylone? Babylone, en fait, c'est ce que je disais, c'est la suite directe des cités sumériennes. Donc, en gros, à peu près vers moins 2000, quand les cités sumériennes, et principalement Ur, hein, vont un peu se casser la gueule, ça va ouvrir une voie pour des tout petits royaumes indépendants.
Ah ouais, merde, excuse sans ça, j'ai zappé de changer le titre. Bah, en même temps, j'étais en train de faire une pub, un post sur une publication sur mon Facebook, une grosse connerie, et du coup, bah, toi, j'ai zappé. Excuse-moi. Bah, écoute, si tu peux le faire, ce sera pas mal. Je te remercie d'avance, mon petit son, ça. Bienvenue à toi. Donc, oui, donc la cité de Ur et les autres grandes cités sumériennes, comme elles se pètent la gueule, ça ouvre la voie à des petits royaumes indépendants. L'un d'eux, hein, qui va commencer à s'organiser petit à petit, va prendre une place de plus en plus importante. Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Qu'est-ce que tu mets? Ben, je sais pas. L'Antiquité de A à Z, les Sumériens et Babylone. Enfin, comme tu veux, ça fait peut-être long en titre. Ou Sumer et Babylone, comme tu veux. C'est toi qui vois le. Toi qui sens le truc. Honnêtement, j'ai pas réfléchi au titre. Donc, pour moi, c'est Sumer et Babylone. Donc après. Bon. Donc oui, ça va donc ouvrir la voie à des petites cités indépendantes, des petits royaumes et tout, qui vont grandir, qui vont croître, qui vont prospérer, etc. Et qui dont l'un est l'une d'elles, en fait, de ces petites cités, va devenir si puissante qu'elle va occulter en fait toutes les autres. Donc, il y en a de... elle va s'organiser dans une petite région qui s'appelle la Babylonie. Hein. Plus tard, ça s'appellera la Chaldée, ou Chaldée, je sais pas comment on prononce, honnêtement, je ne sais pas. Qui occupe l'ancien pays d'Akkad. Donc là, c'est un petit peu pareil. Est-ce que j'ai une carte? Je ne sais plus si j'ai une carte. Non, j'ai pas de carte, tant pis. Mais ouais, on distingue quand même un petit peu sur celle que j'ai mis là. Alors, on continue. Une ville d'exception. Donc, les habitants hein, de cette petite bourgade encore à ce moment-là, bah, on parle l'acadien. Hein, c'est une langue de la famille. Comment je pourrais dire? C'est une langue de la famille des langues sémitiques. Elle se reconnaît à la racine El ou Bal. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Allah, par exemple, en Arabie, hein, par exemple, c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres. Donc on retrouve le Al ou El. Hein. Les Carthaginois, eux, ils avaient Hannibal. Là, on retrouve le Baal. Après, voilà, on va retrouver aussi en Phénicie, en Palestine, etc. C'est une langue. En fait, c'est une langue indo-européenne, quoi. Hein, faut dire ce qu'il y a. Donc, le nom même de Babylone, ça signifie la porte des dieux. Hein, donc, Bab, porte, et El, dieu. Voilà. Cette ville va rayonner sur le Moyen-Orient pendant environ 15 siècles. Donc, jusqu'à sa conquête par Cyrus le Grand en 539 avant Jésus-Christ. 15 siècles, ça fait 1500 ans. Donc nous, là, notre petite civilisation aujourd'hui, il y a 1500 ans, bah, disons qu'on sortait un petit peu de l'obscurantisme, quoi. On commençait un petit peu à redécouvrir les choses. Eux, bah, ils étaient déjà, voilà, en 15 siècles, ils ont duré 15 siècles, avec les progrès et tout, vraiment à l'apogée des choses, quoi. À l'apogée de ce qui était possible à cette époque. Or que nous, putain, il y a 15 siècles. Disons que si on se lavait déjà deux fois dans le mois, c'était le bout du monde, quoi. Ouais, je sais, ça pue. Bah oui, mais en même temps, si on se lave que deux fois dans le mois, hein, forcément.
Alors, la langue de Babylone sera durant longtemps une langue internationale par excellence. Un peu comme l'anglais aujourd'hui, quoi. Pour faire simple. Donc, quand on regarde l'anglais, il est utilisé partout. Bah, à l'époque, c'est pareil. La langue parlée à Babylone, c'était la langue de référence. Et c'est même d'ailleurs pour ça qu'on a dans la Bible le mythe de la langue unique. Parce qu'au final, que ce soit commercialement, que ce soit pour des échanges technologiques, pour des échanges militaires et ou autres, c'était la langue de Babylone qui était utilisée, donc la langue unique. Voilà. Et la Bible, en fait, a fait beaucoup de mal hein, à Babylone. Hein. Vraiment, vraiment beaucoup de mal à Babylone. Notamment avec les putes. Bon, ça, c'est... Ah, si je commence à rentrer là-dedans, c'est bon, on est encore là demain matin. Pareil, pour revenir avec cette histoire de Bible et tout, hein, parce que pour la légende, en fait, c'est parce qu'ils ont voulu construire une tour qui atteignait les dieux et tout, que bah, le dieu unique n'était pas content, qu'il a fait se casser la gueule autour et diviser les peuples et donc les langues. Bon, maintenant, la réalité des trucs, c'est bah, déjà la langue unique, hein, je viens de vous le dire, hein, c'est parce que bah, c'est un peu comme l'anglais aujourd'hui. Voilà. C'était la langue qui était internationalement parlée. Et la tour de Babel, la tour de Babel, c'est parce que c'était à Babylone. Bah, en fait, c'était simplement deux ziggourats, donc deux pyramides, hein, qui étaient dédiées au dieu Marduk. Ça n'allait pas chercher plus loin. C'est tout. Des pyramides, il y en avait. C'était pas les seuls à en faire, et ça sera pas les seuls dans les siècles à venir. Mais voilà, disons que la Torah et le peuple juif ont eu quelques petites mésaventures avec les Babyloniens, bah, que forcément la Bible a repris derrière, on a commencé à en mettre plein la gueule aux Babyloniens. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de raison au final. Alors ça, d'ailleurs, pour l'anecdote, ça m'a fait délirer il y a un moment de ça, parce que j'ai réussi à moucher deux représentants Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il se marie ce Jéhovah, mais disons qu'il y avait des témoins qui étaient venus. Hein, et je les ai mouchés, mais alors, mais d'une force. Ah, je me suis éclaté, franchement. Parler 5 minutes avec eux, c'est avec quelques connaissances historiques, parce que je dis pas que je maîtrise le sujet, mais avec quelques connaissances historiques, mais vous tapez un délire, mais c'est un truc de malade. Ils y connaissent que chi, en fait. Hein, enfin bon, je rentre pour la plus avant dans les détails, parce que vraiment, on n'en finit plus non plus. Je sais que moi, ça m'avait fait vachement plaisir de pouvoir leur mettre dans la gueule, quoi. Alors par contre, j'ai pas reçu d'invitation pour le mariage. J'attends toujours. Je sais pas si Jéhovah s'est marié un jour. J'ai vu que les témoins. Et en plus, ils n'avaient même pas de bague, les cons. Enfin bref. Donc on continue hein, tranquillement notre tour de conneries. Donc la tour de Babel, ouais. Ouais, la tour de Babel. Bah, Babel, Babybel. Hein. Ouais, elle est facile celle-là. Facile, puis elle est nulle en plus. Alors, le premier empire babylonien. Donc, les premières dynasties royales sont issues des peuples venus d'Arabie septentrionale, hein, donc les Amorites. L'apogée va se faire sous le règne du roi Hammurabi, sixième souverain des Amorites. Donc, Hammurabi, hein, on a les textes de loi, hein, donc le code d'Hammurabi, qui est. Le premier et à ma connaissance unique texte de loi avec vraiment classifié par article et tout, comme on a notre code de loi aujourd'hui, qui a été retrouvé. Voilà. C'est vraiment un truc de fou, quelque part. On a des textes de loi qui vont parler de la religion, enfin qui vont codifier la religion, qui vont codifier le marchandage, le commerce,
des textes de loi pour codifier l'armement, les militaires, etc. Des textes de loi pour codifier la vie de tous les jours des gens, que ce soit que ce soit dans leurs relations avec, enfin, leurs relations sociales ou simplement les relations entre hommes et femmes, les relations entre enfants et adultes, etc. Tout a été codifié et donc on a appelé ça le code d'Hammurabi parce que en fait c'est Hammurabi qui a voulu mettre en par écrit tous ces trucs là qu'on appliquait depuis des décennies et que, bah, que finalement c'était toujours par petites tablettes. Hein, et il s'est dit ça serait quand même pas mal de rassembler un peu tout ça et donc il a fait une grande une espèce de, je vais appeler ça un obélisque, hein, mais ça n'en est pas. Il a fait une espèce de grand obélisque avec tous les codes et les articles de loi du code d'Hammurabi de cette époque. Et c'est vraiment très, très intéressant. Après, personnellement, je ne me suis pas encore réellement penché dessus. Et aussi, je l'ai survolé. Parce que, bah, disons que j'ai d'autres chats à fouetter. Sans mauvais jeu de mots. Hein, parce qu'autrement, mon pauvre chat, il va déjà se sauver s'il entend le mot fouetter. Mais ouais, non, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Si vous avez le temps, moi je vous conseille de regarder un petit peu ce qui est dit sur le code d'Hammurabi. Et vous verrez qu'en fait, il y a des textes de loi qui sont toujours d'actualité et qui étaient déjà appliqués à l'époque. Et ce code d'Hammurabi, encore une fois, pour reprendre la mythologie chrétienne, ce code d'Hammurabi a servi en fait un petit peu de base aux 10 commandements. Donc Charlton Heston, hein, il peut aller se rhabiller quoi. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On a la chute donc du premier empire qui va remonter à peu près vers 15, enfin 1595 avant Jésus-Christ. Et c'est ce premier empire babylonien, donc, chute à cause d'une invasion hittite conduite par le roi Mursili. Ou Mursili, je ne sais pas comment on prononce non plus. Je pense que c'est Mursili. Alors, les Hittites, pareil, hein, les Hittites, on voit sur la carte, plus ou moins en tout cas, mais disons que voilà, les Hittites, c'est au nord-ouest, hein, par rapport à Babylone. Et c'est plus tard, hein, parce que sous les Égyptiens, par exemple, sous Ramsès, les Hittites descendent jusqu'aux limites, enfin à peine plus haut que Jérusalem. Hein. Donc, c'est également une grande civilisation, les Hittites. Donc, on a cette dynastie hittite qui s'installe. Donc la langue va devenir une langue réellement, cette fois pour le coup, indo-européenne. Puisqu'avant, il y avait des soupçons d'indo-européen, mais c'était pas encore ça qui était ça. C'était un mélange. Là, maintenant, on est typiquement dans de la langue indo-européenne. Donc au même titre que le celte, que le latin, que, voilà, enfin, que le grec, etc. On est dans la langue indo-européenne. Donc cette civilisation, hein, comme on le voit, elle vit au cœur de la Turquie actuelle, sur le royaume de Hatti, avec la capitale qui est Hattusa. Alors contrairement à Babylone, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Zahariel, hein, par rapport aux militaires, Babylone maîtrise le bronze, hein, puisqu'ils ont commencé sous l'âge du bronze, les Sumériens également. Donc leur arme était en bronze. Et ça leur a fait grandement défaut, justement, quand les Hittites, qui eux maîtrisent le fer, sont venus à Babylone. Parce que bah, du coup, bah, ils se sont pris une dérouillée, quoi, les Babyloniens. Ils sont voilà. Ils sont venus, ils ont vu, ils l'ont eu dans le cul, quoi. Et bah après, faut dire que c'est logique, quoi. Je sais pas, le fer est quand même beaucoup plus résistant que du bronze. Hein, voilà. Donc, tu donnes un coup d'épée en fer sur une épée en bronze, le truc il coupe en deux, quoi. Voilà. Donc, le premier royaume de Babylone, donc le royaume d'Hammurabi,
Je savais que ça allait te faire rire, ma connerie. Donc le premier royaume de Babylone, celui d'Amourabi, se casse la gueule et est remplacé par une dynastie hittite. Voilà, ils rasent pas la ville, hein, ils s'y installent et ils vont continuer à la faire prospérer, à la faire croître justement en introduisant le fer, entre autres. Voilà. Donc les Hittites vont porter certes un coup mortel à cette puissance, hein, qu'est Babylone, mais va en même temps leur pouvoir faire, comment dirais-je, va pouvoir apporter justement tout un nouveau savoir-faire, un nouveau pan de cette civilisation, va apporter ce nouveau pan de civilisation. Toutes les nouvelles technologies, que ce soit commerciales, militaires ou autres, ou technologiques, tout ça va rentrer dans la ville de Babylone avec les guerres contre les Hittites. Mais le souci, c'est que, voilà, avec ce coup de grâce donné donc par les Hittites, ça va laisser quand même une petite place, hein, quelque part, parce que le Babylone d'Amourabi s'écroulant, ça laisse la place à d'autres peuples de pouvoir prospérer à leur tour. Et il y a une puissance qui a apparu, hein, sur l'Euphrate, et qui va faire, et qui va finalement être aussi une des grandes civilisations de cette région du monde. Et cette civilisation, c'est les Assyriens. Pas les Sumériens, les Sumériens, on va dire, voilà, les Assyriens. Et donc, les Hittites vont se prendre une branlée par les Assyriens, et donc Babylone va devenir assyrienne. Alors, les Assyriens parle l'acadien, hein. Par contre, autant les Hittites, disons que c'était luxe, calme et volupté, autant les Assyriens, c'est du gros barbare, hein. C'est du rustre, puis pas du tendre. Donc, en même temps, ils vivent dans les régions de montagne, hein, donc forcément, si t'es pas équipé pour, t'y arrives pas trop. Donc, c'est pas forcément intéressant pour un Hittite de vivre avec des Assyriens, et encore moins avec un Babylon, pour encore moins des Babyloniens de vivre avec des Assyriens, parce que entre le chantre du savoir et puis la bête de somme, ben voilà quoi. Ben, militairement, c'est la bête de somme qui gagne, mais par contre, intellectuellement, ça régresse. Alors. Ouais. Je vous mets une petite photo. C'est joli, les petites photos. Du coup, voilà, on a un intermède assyrien. Donc, ça, c'est à la fin du deuxième millénaire. Hein. Donc, Babylone va passer sous la coupe de Cassiques, un peuple venu de l'Estia, à partir de l'Estre, pardon. Oh là là, putain, j'arrive pas à me relire. Oh là! C'est pas bon de vieillir, hein. Ça, donc un peuple venu de l'Est. Et à partir donc de 900, à partir de 900 avant Jésus-Christ, les rois de Babylone et d'Assyrie vont, malgré le fait que les Assyriens, c'est des gros lourdauds, ils vont quand même cultiver de bons rapports de voisinage. Hein. Voilà. Donc, à l'époque, bon rapport de voisinage, c'était pas entretenir la pelouse de l'autre. Ils mariaient leurs enfants, quoi, les uns avec les autres. Pour éviter ça. En même temps, ça évitait de se foutre sur la gueule. C'est quand même pas plus mal, si on pouvait éviter. Ce qui s'est toujours fait, hein, dans toutes les civilisations, finalement. Disons, c'est qu'avec notre civilisation moderne, on tape d'abord et on parle ensuite. Avant, on parlait d'abord et s'il n'y avait pas d'autre solution, on tapait. Voilà. Donc, en gros, on va dire que ça fait 1000 ans qu'on régresse.
Donc oui, les Assyriens vont quand même, parce que bah, les Assyriens sont ce qu'ils sont, hein, c'est ce que je disais, ils sont rustres, hein, puis brutales. Même si on marie la ch'tite fillotte du roi machin avec le ch'ti fillot du roi bidule, bah, ça va pas empêcher que les Assyriens vont foutre des culottés aux Babyloniens. Et bah, une première fois déjà, hein, au moins une fois, entre 814 et 811. Et puis un siècle plus tard, le roi assyrien Sennachérib va entrer en guerre contre les Chaldéens, qui règnent à ce moment-là sur Babylone. Hein. Puis il va leur mettre une branlée aussi. Voilà. Sauf que, après quand même plusieurs campagnes, bah, il a eu des batailles, ils vont prendre des branlées, il va y avoir des batailles où il va en donner. Bah, et finalement, bah, il va quand même réussir à détruire la ville, mais alors jusqu'aux fondations, et ça en 689 avant Jésus-Christ. Ah oui, il se marave quand même, ouais, c'est clair. Ah bah ouais, forcément. Ils sont obligés. Bah, en gros, toi, t'es une petite souris, t'es copain avec un lion, bah t'évites quand même de lui tourner le dos. Fais gaffe. Parce que le lion, il a beau être ton pote, il a envie de te foutre une branlée, te prendre une branlée quoi. Et ben là, c'est ce qui s'est passé pour le coup. Donc en 689 avant Jésus-Christ, Babylone est totalement rasée jusqu'à la moindre pierre par donc Sennachérib. Voilà, première destruction réelle de Babylone par Sennachérib. Mais attention, c'est que c'est pas fini. Son fils, hein, donc alors, je m'excuse par avance pour les prononciations des noms. Bon, parce que c'est pas, disons que je suis pas atteint d'une évolite aiguë avec un problème de pseudo, mais là il y a des noms, non, faut pas déconner. Donc, le fils à Sennachérib, hein, qui s'appelle Assar-Adon, qui lui succède en 681 avant Jésus-Christ. Bah lui, le fiston, alors sans doute parce qu'il s'était pris la gueule avec son père, bah lui va reconstruire Babylone. Ah, tu m'as cassé les couilles, papa, bah écoute, je vais reconstruire ta ville, chérie. Et puis voilà. Comment faire chier son père en 5 minutes? Bah tu poses 3 briques. C'est pas plus con. Donc bah du coup, forcément, qu'est-ce qui se passe? On a le renouveau de Babylone. Suite logique, encore une fois. Ouais. L'autre, il se pète le cul. Non, mais sans déconner, le gars, Sennachérib, il se pète le cul. Ça a duré un moment, hein, quand même. Hein. Mine de rien. Hein, ça a duré un petit moment, ces petites guéguerres. Il s'est cassé le cul pour battre une ville qui avait déjà à ce moment-là des remparts qui étaient super bien protégés. Il s'est pété le cul dessus plus d'une fois. Et l'autre, peut-être parce qu'il voilà, il a pas eu son argent de poche, il reconstruit sa ville. La ville, c'est un truc de fou. J'attends les commentaires un petit peu. Je laisse toujours un petit peu de blanc, on ne sait jamais, des fois que. Ouais. Il y en a un qui réagisse à mes conneries, qui veut rajouter un truc. On ne sait jamais, ça peut être amusant. Oui, Nabucodonosor, ouais. Ben, pareil, Nabucodonosor, oui, si, on en parle après, Nabucodonosor. On va en parler de Nabucodonosor. Mais c'est pas encore là, c'est récent, hein, Nabucodonosor. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, quand on dit que ça date de Nabucodonosor, hein, mais en fait, c'est récent. C'est à peu près à cette période, ouais, c'est à peu près, c'est juste là, en fait, juste là, tu vois, donc en gros, c'est. Allez, pour donner une tranche entre le 7e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Oui, non, tu confonds avec le Nabucodonosaurus Rex. Certainement, dit Zeus. En même temps, c'est pas pour dire, mais. Un dinosaure gay, c'est un déchiranus, hein. Tout le monde sait ça.
Ah, faudrait peut-être que je fasse un jour un truc sur les dinosaures, ça fait partie quelque part de la période que je traite, même si c'est pas que l'Antiquité. bah ouais, un Deschiranus Rex. Ou un Deschiranus Durex. Ouais, c'est mieux ça, un Deschiranus Durex. Ah, c'est mieux, c'est mieux. C'est plus rigolo. Ah, connerie quand tu nous tiens. Ah, Nabucodonosor, là, 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 ouais. Oui, il en fait des pas mal non plus, hein, Nabu. Enfin, Nabucodonosor. Nabu pour les intimes. Donc oui, voilà le renouveau de Babylone. Hein, bah, c'est pas tout. Voilà, on n'est pas encore sur Nabucodonosor, on est sur un autre qui a un nom qui est tout aussi sympa. Vraiment, hein, c'est Nabopolassar. Donc Poudlard. Poudlard, un gouverneur de Babylone. Ah, mais faudrait pas que je le répète plusieurs fois celui-là, parce que je sens que je vais m'énerver dessus. Nabopolassar, gouverneur de Babylone, va s'allier à. Il est pas mal non plus celui-là. Un Xiaxar, roi de Médès, peuple d'Iran. La vache. Et encore, j'ai mis en majuscule hein, sur mes notes, parce que autrement, c'était même pas la peine. J'aurais écrit ça en minuscule, c'est bon. Je pouvais faire cut l'émission, j'arrivais pas à. Non, donc voilà, Poudlard là, il va s'allier à Cyanure là, et le roi de Médès, et bon, enfin, conneries mises à part, je vais essayer de redire les vrais noms, hein. Nabopolassar, gouverneur de Babylone, va s'allier à Xiaxar, roi des Médès, peuple d'Iran, et porte le coup de grâce à la monarchie assyrienne. Voilà. Le 23 novembre 626 avant Jésus-Christ, il va fonder la dynastie néo-babylonienne. Donc, bah disons que c'est pas tout de suite, hein, on n'est pas encore au mois de novembre, on s'en rapproche, hein, en même temps c'est bientôt Noël, on n'a jamais été aussi proche. Mais le 23 novembre 626 avant Jésus-Christ, néo-Babylone, donc en gros là on est plus ou moins dans la Babylone qu'on connaît tous, plus ou moins. Et c'est bah, justement son fiston, hein, Nabucodonosor, qui va gouverner l'empire avec talent. Et il va l'enrichir dans tous les sens du terme, notamment par ses conquêtes. Hein, il va vraiment hisser la ville au maximum de sa splendeur. C'est lui qui fait édifier les jardins suspendus, il fait construire un pont sur l'Euphrate. Il aménage des canaux autour de la ville. Tout ça, c'est Nabucodonosor à qui on le doit. Il reconstruit les remparts avec la double enceinte, comme on voit hein, des fois dans les jeux, etc. Une double enceinte pour défendre Babylone. Ça, c'est Nabucodonosor qui l'a faite. Et donc, des remparts gigantesques, hein, bien entendu, avec plus de 100 portes monumentales en briques vernissées. Par exemple, la porte d'Ishtar. D'où l'image que je vous ai mise là. Par exemple, les briques, c'est même plus que vernissé. En fait, c'est des briques recouvertes de faïence bleue. Alors, il n'a pas fait une bouteille. Disons qu'il en a fait. Il en a fait plusieurs en une, Nabucodonosor. Ah ouais, clairement, les noms de Barjot, ouais. Il a fait plusieurs bouts, enfin il a mis plusieurs bouteilles en une, et ça évite de se faire des maîtres de pinard, quoi. Autant le maître de Ricard se fait encore dans les bistrots, autant un maître de vin rouge c'est déjà plus, c'est un petit peu, c'est plus rare. Donc du coup on demande à Nabucodonosor. Mais ça vient de là justement en fait, parce que c'est pour exprimer un terme de grandeur.
de quelque chose. Ça vient de là. C'est très logique finalement. À ceci près qu'une fois qu'on a réussi à torcher un Nabucodonosor, on est très petit. Hein. Faut se cacher, faut aller dans les chiottes, vomir et puis ne plus bouger. C'est la seule différence. Donc oui, ces briques, en fait, c'est de la faïence et on a retrouvé que très récemment la recette pour obtenir ce bleu faïence-là. Et donc la porte d'Ishtar, hein, que tout le monde connaît plus ou moins, voilà, par exemple, ça c'est la porte d'Ishtar. Et donc on voit les deux, les doubles remparts. Voilà. Ah non, c'est un bot. Il a pas fait, j'adore, il a pas fait une bouteille. Donc ça m'a fait triper là ton truc, il a pas fait une bouteille. Ou Kishtar, hein, qui est une déesse, hein, c'est pareil, je rentre pas dans les détails non plus parce que je vais faire un truc plus tard spécialement sur sur la mythologie, donc je rentre pas non plus dans le détail. Donc voilà, porte d'Ishtar, ça, alors là, que ce soit dans les Age of Empires, que ce soit dans les civilisations, c'est le truc bah, qui en gros on construit à chaque fois pour avoir une merveille, hein, quelque part. Bah, c'est normal d'ailleurs. Et parce que c'est vraiment très très c'est bah c'est grandiose quoi, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste grandiose. J'ai vu un documentaire il y a pas longtemps, bah, en préparant cette émission, je regardais un documentaire justement par rapport à ça, par rapport à la porte d'Ishtar. C'est là que j'ai vu aussi que bah, la recette pour obtenir les briques qu'on avait comme ça était bah, c'est très récent. On a redécouvert ça très récemment. Et bon, après là, cette porte-là, elle menait sur une avenue, hein, dans la ville où avaient lieu des processions, tout ce qui était défilés militaires, processions religieuses, etc. Et donc pour revenir à Nabu, hein, pour revenir un petit peu à Nabucodonosor, il a aussi reconstruit les temples de Marduk, qui est le, avec un L-E majuscule, le dieu principal de la cité, donc de Babylone. Donc toutes ces réalisations-là, ils vont fondre de la ville, la cité la plus prestigieuse de l'Orient antique. Et c'est d'ailleurs pour ça que les remparts, les jardins suspendus, etc., bah, ils figurent parmi les sept merveilles du monde antique répertoriées par les Grecs, quoi. Avec les pyramides et tout. Voilà. C'est vrai. Si les jardins suspendus font partie des merveilles de l'humanité, enfin des sept merveilles du monde, c'est grâce à Nabucodonosor qui les a fait construire. Voilà. Alors, les jardins suspendus, pareil, hein, ça faut bien resituer. C'est pas on construit un truc avec des bouts de bois et de la vigne qui pend, c'est un peu plus complexe quand même. Mais disons qu'ils ont fait ce qu'ils savaient le mieux faire, c'est-à-dire une ziggourate, une pyramide en degrés, hein, quelque part. Et à chaque étage de cette pyramide, bah, c'était des jardins. Voilà, c'est pas plus con que ça. Enfin, de ce qu'on en sait à peu près actuellement, c'est ça, quoi. Donc faut se méfier, hein, de ce qui est dit aussi dans la Bible ou la Torah ou le Coran. Hein. On reste dans du mythe, hein. Attention. Les réalités, c'est bien souvent différent. Vous savez que j'en suis, moi, dans mes conneries. Autre chose justement intéressante, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais. Quand je disais que la religion juive va déteindre sur le christianisme et faire en sorte que Babylone devienne la bête à abattre, bah parce que simplement, ils ont, enfin, Nabucodonosor, il va foutre une branlée à des rébellions en Judée. Et c'est ce qu'on va appeler l'exil de Babylone, dans plusieurs récits bibliques.
Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que ça lui vaudra l'hégémonie par les rédacteurs de la Bible. Voilà. Mais ça fait comme, pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui ont vu la série de téléfilms, ça fait un peu comme Masada, en gros. Une bande de terroristes, parce que c'est ni plus ni moins, hein, attention, hein, des rébellions, c'est ça. C'est contre le gouvernement actuel, où on fait des actes de sabotage, ça s'appelle du terrorisme. Point, à la ligne. Là, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Babyloniens? Ils ont maté cette rébellion. Ouais, mais le problème, c'est que, du coup, avec ça, ils sont passés pour des suppôts de Satan pendant des milliers d'années, quoi, derrière. Sauf que c'est pas aussi facile que ça. Mais bon. C'est un truc que je fais pas si utile dans mes lives. C'est surtout ne pas faire d'émission sur une religion actuelle. Parce qu'on parlait un peu, ça c'est logique, puisque de toute façon elle découle de ce que moi je parle là. Mais une émission uniquement basée sur une religion qui est encore pratiquée aujourd'hui, non. C'est un truc que je me refuse. Parce que ça sert à rien, déjà. Ça ne sert à rien. Parce que les gens croient, je le respecte, qu'ils forcent à croire à ce que eux croient, j'ai du mal. Donc du coup, je parle pas de religion, j'en vois pas l'utilité. Voilà. Après, je peux l'aborder, les survoler, raconter des conneries, là, comme je le fais là, mais ça va pas chercher plus loin. Donc, et je pense que vous me comprenez, hein, sur ce point. Voilà. Nabu, qu'est-ce qu'il fait d'autre, notre petit Nabu? Parce que là, on parle de la religion juive, la religion chrétienne, etc. Mais il en est où, notre Nabu? Ah bah, il est mort. Ok. Ah bah ça y est, il est mort. Donc Nabucodonosor meurt en 562 avant Jésus-Christ. Vous remarquerez un truc, je suis hyper balèze pour les transitions. Donc voilà, Nabucodonosor meurt en 562, son fils, son gendre. Et son petit-fils vont se succéder dans de dramatiques conditions. Certainement parce qu'ils vont se foutre sur la gueule, hein, forcément. Ben, t'en mets trois au pouvoir, au bout d'un moment, il y en a un qui est pas content. Voilà, voilà. Hein. Gibraltar est un des trois, je sais pas ce que font les deux autres. Je sais pas qui sont les deux autres, pardon. Blague pourrie, putain, même ça je la foire, sans déconner. Non, bon, les conneries mises à part. Donc voilà, ça va pas bien se passer ce règne, hein, finalement, ces règnes. C'est là aussi quelque chose qu'on retrouve assez couramment dans les civilisations de l'Antiquité, c'est-à-dire que, à la mort d'un grand souverain, enfin le fils ou un général ou autre chose, va prendre la place, va se faire buter par le rival, qui lui-même va se faire buter par un autre rival. Ça arrive assez souvent. Et donc, du coup, il faut quand même attendre 556 avant Jésus-Christ, pour avoir un usurpateur, Nabonide, hein, qui s'empare du trône. Alors, Nabonide, c'est un religieux et traditionnaliste. Il va s'exiler à Telma, je ne sais pas comment on prononce ça. Mais enfin, donc au nord-ouest de l'Arabie. Hein, voilà. Alors Telma, est-ce qu'on le voit sur la carte? Bah non. Moi je vois pas Telma machin là. Donc ma foi. Ce sera pour les petits curieux.
Et c'est Balthazar, hein, le fils de Nabonide, qui va lui succéder. Et en 548, va prendre le contrôle et évincé, il sera pardon, évincé par les Perses plus tard. Donc alors pour ça, pour avoir les détails en fait là-dessus, faut prendre le livre de Daniel, hein, la Bible judaïque. Voilà. Ensuite, on avance un petit peu, hein, en 539 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand va s'emparer de toute la Mésopotamie, hein, qui est réduite à ne devenir plus qu'une province de l'Empire perse. Et au passage, va délivrer les Hébreux, hein, du coup, quitte à faire. Alexandre le Grand va rentrer à son tour dans Babylone en 331 avant Jésus-Christ. Il va même, enfin, il va trouver la ville tellement belle, qui est tellement resplendissante, tellement grandiose dans tous les domaines, hein, que ce soit artistique, enfin intellectuel, ou même militaire, etc., ou technologique, bah, qui va en songer à en faire la capitale de l'Orient à un moment donné. Et quelque part, ça aurait uni en fait l'Orient perse et l'Occident hellénique. Mais manque de peau, bon, du coup, quand la seule fois qu'il revient à Babylone, bah, c'est pour y crever, donc finalement, ça se fera pas. Mais entre-temps, il aura quand même entrepris de gros travaux, notamment la restauration du temple de Marduk. Voilà. Donc voilà, bah, Alexandre le Grand. Va partir donc de Babylone, va aller faire va continuer ses conquêtes. On connaît tous l'histoire un petit peu d'Alexandre. Il va se prendre une dérouillée chez les Indiens, etc. Enfin, voilà, après. Et donc 8 ans plus tard, quand il revient à Babylone, bah, en fait c'est pour y mourir. Et là, les débats sont encore un petit peu ouverts, donc je ne m'avancerai pas dessus pour connaître la mort de Babylone. De Babylone, d'Alexandre, oh la vache. Donc là, pour ceux qui reconnaissent, c'est une petite vidéo d'Age of Empire. Le tout premier du nom, hein, quand on prenait la civilisation babylonienne, voilà la petite cinématique qu'on pouvait avoir à l'époque quand c'était sorti. Voilà. Je vous laisse regarder. Voilà. Que de souvenirs, dis donc. C'est du rétro là qu'on fait. C'est du rétro, les gars. C'est du rétro. Je fais pas encore du Fred, mais j'y suis presque. Ouais, oh yo, oh yo, putain, ouais, les curés là. Oh la vache. Tu te faisais une armée de prêtres, c'est bon, tu pouvais être sûr d'avoir gagné. T'as un truc de malade. Donc du coup, bah voilà, hein, Alexandre est mort. Donc, et c'est donc à la mort d'Alexandre, hein, comme pas bah, peut-être tout le monde sait, mais si vous ne le savez pas, en fait, à la mort d'Alexandre, son empire va être divisé en plusieurs royaumes qui seront tenus par ses généraux. On va retrouver, par exemple très bête, c'est à ce moment-là qu'on va retrouver les Ptolémées en Égypte. Ça veut aussi dire un manque de jeu récent sur le sujet. Non, mais non, tu prends. J'ai les vidéos des civilisations récentes, hein, 4-5, avec la construction de la mer des merveilles, que ce soit la porte d'Ishtar ou les jardins suspendus. Mais je trouvais ça plus intéressant de mettre un vieux jeu. Parce que justement, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle de bons souvenirs pour beaucoup d'entre nous, j'imagine. Et je me suis dit, bah, quitte à choisir, je préfère mettre un vieux machin. Puis aussi un petit clin d'œil pour le rétro gaming qui peut être fait et que j'aime bien. Voilà. Même si je suis pas un grand joueur de rétro, puis encore autant. En fait, je joue autant au rétro que je joue au jeu actuel, donc c'est pour te dire. Voilà, c'est surtout pour des clins d'œil, parce que moi j'ai eu des coups de cœur pour des jeux, hein, je pense que pour tout le monde, hein, bien sûr.
Et je sais que Age of Empires a été l'un des premiers jeux de stratégie auxquels j'ai joué et qui, bah, qui m'ont tenu des heures durant. Voilà. Donc c'est pas parce que c'est un manque de jeux récents du tout. Parce que même des casse-briques, en fait, il y en a, quoi. Voilà. C'est ça le truc. C'est que si je voulais vraiment mettre autre chose que Age of Empires, je mettais un truc de casse-briques sur le, avec la porte Ishtar en fond. C'est bon. C'est un jeu, quoi. Donc, ouais, non. C'est pas du tout par rapport à un manque de jeux récents. Donc j'en étais où, moi? Ah oui, Alexandre. Ah oui, ah oui, Pépère, il est mort, Pépère. Donc ses généraux se sont divisés son empire. Ptolémée a pris l'Égypte, qui donnera par la suite Cléopâtre. Hein, voilà. Mais donc la Mésopotamie et donc Babylone, c'est le général Séleucos Ier qui va prendre la région à la mort d'Alexandre. Il va transférer sa capitale dans un camp grec du nom de Ctésiphon, qui est aujourd'hui dans la banlieue sud de Bagdad. Voilà. Donc, on va dire qu'il existe encore hein, pour les aficionados. Donc Babylone, par contre, va, comme l'autre, il met sa capitale dans un camp grec, forcément, bah, Babylone est délaissée et va redevenir poussière. Et on retrouve dans les écrits bibliques, on retrouve aussi cette histoire de malédiction jetée sur Babylone et la chute de Babylone. Mais en fait, c'est même pas, c'est même tout le monde a tendance à dire que c'est prémonitoire et tout. Non, c'est simplement qu'à un moment donné, il y a un ou un groupe de personnes. Qui était peut-être un peu moins con que les autres, hein, qui était un peu plus observateur, qui avait bien compris que la roue elle tourne, et que ben là, si on était à l'apogée d'un royaume, s'en suivra forcément une chute. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait les grandes écoles pour comprendre ça. Mais du coup. On attribue ça à un truc divinatoire ou je sais pas quoi, alors qu'en fait c'est simplement une histoire d'observation et de déduction. Après la mort de Nabucodonosor, on peut dire que Babylone est déjà en lambeaux. Preuve en est les trois rejetons qui vont, enfin les trois couillons plutôt, le fils, le gendre et le beau-fils là qui vont se mettre sur la gueule l'un après l'autre. Alors je n'ai pas les dates des règnes hein, des trois bonhommes là, mais j'imagine que c'est soit comme à Rome que ça dure une année, auquel cas bah, on peut repartir sur de bonnes bases, soit par contre ça dure trop longtemps et bah là bah, du coup oui là ça sonne le déclin, ça pue la mort quoi, ça sent le sapin. Donc forcément, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que bon, bah voilà quoi, on est à la fin du truc. Après, surtout qu'ensuite, bah voilà, il y a les Perses qui viennent te foutre sur la gueule. Après, bah c'est les Grecs, c'est les Macédoniens qui arrivent, qui foutent une branlée aux Perses et qui ensuite viennent te foutre une dérouillée. Bon bah ok, tu te dis bon, bah c'est bon, on est mort quoi. Hein, voilà, il y a pas, y a rien de divinatoire là-dedans dans les écrits bibliques. La chute de Rome, de Babylone. Elle est logique. Elle est logique. Et je dis pas ça en la regardant d'un point de vue extérieur avec pas loin de avec plus de 2600 ans de recul. Si je me replace à l'époque, c'était logique. C'est tout. Ça va pas chercher plus loin, une histoire de logique. Du coup, bah c'est sous la domination arabe qu'on va retrouver, en fait, que la région de Mésopotamie va retrouver un rôle réellement de première importance. Bagdad, hein, la ville qu'on connaît, qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui entre guillemets veut dire don de Dieu, hein, parce qu'on retrouve toujours les mêmes bases hein, du mot, hein, des mots, donc don de Dieu.
Et puis surtout, voilà, la montée en puissance de l'Empire Abbasside. Hein, l'Empire Abbasside qui va poser quelques petits problèmes juste avant et pendant la première croisade. Mais ça, c'est une autre histoire parce que l'Empire Abbasside, c'est aussi amusant. Et donc cet empire abbasside va atteindre son apogée en 786 de notre ère sous le règne du calife Maroun al-Rachid. Maroun al-Rachid qu'on va également avoir comme personnage dans Civilization 5, je crois, qui est présent. Il est présent ce personnage-là et c'est un très très grand représentant du peuple arabe. Mais pareil, ça c'est aussi une autre histoire. Alors, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là au début, la musique qu'on entend, parce que c'est quand même bon de le dire, parce que c'est pas tous les jours, hein, je pense qu'on peut écouter une musique comme ça. La musique qu'on entend, elle a 3400 ans. Voilà. C'est une musique qu'on a découverte en 1950 en Ougarit, hein, donc une ancienne cité située en Syrie. Et il y avait plusieurs, il y avait en fait 36 chansons qui étaient écrites en cunéiforme sur des tablettes, donc en argile. Hein. Et c'est le docteur Richard Dumbrill, hein, auteur du livre de l'archéomusicologie de l'ancien Proche-Orient, pardon, de l'ancien Proche-Orient, qui a décrypté ces morceaux de musique, ces chansons. Et celle qu'on entend, bah, c'est parce que bon, certaines étaient signées, mais celle-ci notamment, c'est une œuvre anonyme. Et donc traduit donc du cunéiforme, hein, ça a été transposé sur une partition, donné à des musiciens spécialisés dans la musique, dans l'archéomusicologie. Et ils ont retranscrit ce qu'on entend. Voilà. Donc c'est une musique qui a 3400 ans. Voilà. C'est. Je vous laisse un petit peu écouter. Donc c'est quand même vachement impressionnant de se dire que cette musique là qu'on entend, qui a priori c'est pas Lady Gaga quoi, mais c'est un truc qui a été écrit et composé il y a plus de 3000 ans, il y a 3400 ans. Là pour le coup, c'est réellement un voyage dans le temps. Voilà. Donc oui, c'est une petite musique disons que je la passerai pas en boucle parce que ça me gaverait très vite. Parce que bon, on est loin de mes propres goûts musicaux. Même si à la rigueur, je pourrais l'écouter de temps en temps parce que bon, c'est un joli morceau. Mais c'est pas du tout ma came. Cela dit, voilà, c'est d'un point de vue purement historique. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Parce que même les trucs grecs, en fait, on a encore du mal. Et les Grecs, c'est après, quoi. C'est après Babylone, les Grecs. Enfin, sur la fin de la civilisation babylonienne, enfin, sur la fin de la ville de Babylone. Non, on est déjà chez les Grecs, mais. C'est le début, en revanche, et la civilisation sumérienne. Les Grecs, ils étaient encore dans des huttes de paille. Et donc voilà, c'est quelque chose de vraiment impressionnant de se dire que, alors que nous, on était encore à, limite à vivre dans des grottes, à la même époque, il y avait quelqu'un dans le monde qui était capable d'écrire, de jouer, de composer ça.
un petit moment de nostalgie. Donc maintenant, hein, il reste une petite demi-heure à notre émission. Donc j'espère que vous êtes bien amusés. Hein. Moi, j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais dire. Hein. Comme je le disais après, il faudrait que je rentre plus dans les détails, etc. Parce qu'il y a énormément, énormément de choses à dire. Notamment, je le répète encore une fois, sur les divinités et sur l'épopée de Gilgamesh. Hein, Gilgamesh qui est, enfin, au début en tout cas, le Rocco Siffredi de son époque. Et donc les divinités bah, qu'on retrouve un petit peu sur beaucoup de villes et de civilisations qui ont fait le pourtour méditerranéen. Je pense principalement aux Phéniciens et Carthage. Parce que Carthage, la divinité principale, c'était le dieu Baal. Baal qu'on retrouve également en Mésopotamie. Voilà, il y a tout un pan de cette civilisation qui nous restera à découvrir pour une prochaine émission, peut-être, qui pourrait être intéressant, et notamment, et aussi, pardon, l'épopée Gilgamesh, où il y a énormément à dire. L'épopée de Gilgamesh, ça fait un petit peu comme la guerre de Troie. Il y a là aussi tout un tas de trucs à dire. Oui, ben ouais, Stargate, ouais, ben le meilleur de tous. J'adorais ce dieu. J'adorais ce Goa'uld. Qui était con. Et jusqu'à la fin. Ah, mais il était magnifique. Et d'ailleurs, je sais plus le nom de l'acteur, hein, mais il est client hein, dans les conventions, les trucs comme ça. Des fois, il n'y a personne qui vient, il n'y a que lui, quoi. Il y va. Lui, il va au charbon direct, il adore. C'est un truc que j'avais vu dans un documentaire une fois. Des fois, il y en a qui vont se désister au dernier moment. Lui, il pourra avoir la jambe cassée, il y va, quoi. Il adore ça. Il adore les trucs de convention, faire signer les autographes et tout. Et c'est un grand fan, c'est un grand malade aussi, ce mec. Je sais plus son nom, faudrait que je retrouve. Mais, à savoir que d'ailleurs, cet acteur-là, il a quand même joué le dieu Arès dans les Xena et les Hercules. Il a commencé quand même sa carrière de divinité au bas de l'échelle, quoi. Parce que bon, c'est quand même, c'est pas mal Hercule et Xena, mais bon. Disons qu'on a 10-12 ans, c'est rigolo, mais alors après, pas déconner. Et pour finir par être le dieu Baal. Donc oui, Baal, qui est aussi donc une divinité mésopotamienne et sumérienne, babylonienne aussi, et qu'on va donc retrouver à Carthage. Donc Carthage, c'est la Tunisie actuelle. La Phénicie, bah, c'est Chypre, c'est voilà, c'est toute cette partie-là. La Phénicie, ça va même s'étendre en Afrique et tout. Donc c'est des commerçants en même temps, donc on va en retrouver partout. Mais voilà, non, c'est pour dire que bon, bah, la mythologie sumérienne et babylonienne, il y a beaucoup trop de choses à dire pour juste la survoler. Parce qu'on n'y comprendrait pas grand-chose. Et pareil pour l'épopée de Gilgamesh, c'est pour ça que j'ai juste dit qu'il avait existé sans rentrer dans les détails, forcément. Parce que si je commence à rentrer justement dans les détails, que ce soit de l'un ou de l'autre, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Un habitué de la divinité, c'est ça. Donc je pense que pour une prochaine émission, bah déjà je peux aussi faire la même chose pour la guerre de Troie. Hein. Je peux faire aussi un autre truc sur Gilgamesh. Je peux faire un truc sur la mythologie et la cosmogonie. Parce que c'est aussi un truc que j'aime énormément. C'est la cosmogonie, donc la naissance du monde, hein, telle que le voyaient les Sumériens et les Babyloniens. Je trouve leur vision des choses très poétique. Donc c'est pas impossible qu'un jour je vous en parle également, que je fasse un petit peu comme les Grecs et tout. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en parlant de mythologie, etc., bah, vu qu'ils s'en mangent tous les uns dans les autres, qu'ils s'amusent à faire des Legos, bah, c'est rigolo. Hein. Bah, forcément, on lance la pierre, je jette, hein, je prends, hein, c'est clair. Il lance la pierre pour se faire battre, alors j'y vais bien comme il faut. Mais ouais, non, non, mais
leur vision de comment est né l'univers, etc. C'est vraiment joli. L'histoire de serpent amoureux. Enfin, voilà, c'est mignon. C'est poétique, on va dire. Donc, bah, si vous avez des questions, bah oui, c'est bien les Lego. Ça sent en boîte. Si vous avez des questions à me poser, c'est pas si je peux y répondre en tout cas, n'hésitez pas à les poser hein, pendant que je blablate là, parce que honnêtement j'ai fini, hein, je vous le dis clairement, j'ai fini, ça fait déjà 5-10 minutes là que j'ai fini, puis que je blablate. Donc allez-y, posez vos questions, si vous voulez en savoir un petit point particulier que je n'aurais pas abordé, par exemple, mais que vous vouliez entendre, si vous aviez envie, pourquoi pas. N'hésitez pas à poser la question. Si, donc, comme je le disais en début d'émission, si je peux répondre, je répondrai. Si je peux pas répondre, bah, au pire, je ferai des recherches et je vous donnerai la réponse après. Y a pas, enfin, plus tard, il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez, pour les 20 minutes qui restent, s'il y en a l'un d'entre vous qui souhaiterait intervenir en direct, comme ça, oralement, enfin, en vocal, pour apporter un complément. Hein, simplement un complément d'information. N'hésitez pas non plus, hein, on a le Discord qui est disponible sur les informations de la chaîne. Donc n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il y a des nains en poncho? Ben non. Non, 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 il n'y a pas des nains en poncho. Mais disons que. Comment je pourrais dire ça? Disons qu'on est tout ce qui est autour de la taupe, hein, la taupe, l'animal et tout. Hein. Moi, je suis dans cette mouvance-là. Alors, on est rigolo, hein, bien sûr, des fois, on dit au quatrième taupe, est-ce qu'il va être? Mais à part ça. Tout compte fait, quelle que soit la culture et succession, toujours tendance à tuer au nez. Oui! Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Les Sumériens, donc avec les grandes cités-états de Ur et d'Uruk, elles ont connu un rayonnement quand même pendant plusieurs siècles, même pas loin d'un millénaire et demi, top 50, ouais. Mais comme ils étaient encore à l'âge du bronze, quand les Hittites hein, par la suite sont arrivés, bah, enfin les Hittites et puis d'autres civilisations sont arrivés et que eux maîtrisaient le fer, bah, forcément ça a coincé. Donc en fait, oui, c'est les aînés, mais les aînés technologiquement, d'un point de vue technologique. Donc oui, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été comme ça. Après, si c'est pas technologique, qu'on est à armes égales, c'est des aînés d'un point de vue militaire. Une meilleure organisation militaire, une meilleure transmission des ordres et tout. Et c'est pour ça que bah, Uruk, Ur et après Babylone ont réussi vraiment à rayonner sur toujours toute la Mésopotamie grâce à l'écriture. Grâce à l'écriture. Parce que la transmission des ordres ne se faisait plus que par l'oral. Alors, il y avait l'écrit maintenant. Donc du coup, bah, il y avait plus une déformation de tel ou tel ordre. C'était clairement écrit. Et forcément, bah, ça aide sur un champ de bataille. C'est une petite avancée technologique. Je parle d'un point de vue militaire. Hein. Ça semble pas grand-chose militairement, mais finalement, ça a une importance phénoménale. Et le fait de maîtriser le fer par rapport au bronze, ben ça a été la même chose. Ça a été ben, une avancée phénoménale. Et on retrouve ça ben après, ben quand les Perses sont arrivés, etc. Ben voilà, ça a été la même chose. Quand les Perses se sont fait foutre sur la gueule par Alexandre, c'était pas parce qu'Alexandre, c'est un génie militaire, il avait réorganisé toute l'armée. C'était la première fois qu'on voyait quelque chose comme ça dans le monde de l'Antiquité. Toute l'armée, voilà, et pas que l'armée, et aussi les bagages qu'elle avait, c'était complètement remanié. Et forcément, ben, comparé aux armées qui existaient à la même époque, qui étaient ben, pour les Perses quand même basées aussi
sur le modèle grec, bah, forcément, bah, ils se sont pris une déculottée, quoi. Ils n'étaient pas prêts à affronter un truc comme ça. Et ça a été pareil avec les Romains. Quand les Romains sont arrivés, qu'ils ont divisé ce qu'ils avaient au début des phalanges, hein, les légions, c'était en phalanges, qu'ils les ont divisés ensuite en centuries, en manipules, en cohortes, bah, clairement, ça a fait la différence sur le champ de bataille. Et ainsi de suite. On peut continuer comme ça, hein, jusqu'à nos jours. Chez les Sumériens, il y avait des grandes bibliothèques, comme la bibliothèque plus tard. C'est ça, voilà. Il y avait effectivement un accent sur la culture et la littérature notamment, puisque ne serait-ce que le code d'Hammurabi, par exemple, ne serait-ce que ça. Cette espèce d'obélisque là, avec toutes les retranscriptions du code, des codes de loi de cette époque, c'est une bibliothèque en soi. Et les archives qui étaient dans la cité de Babylone, voilà. Et d'ailleurs, c'est toute cette région du monde, c'est aussi une chose qu'on a quand même tendance à oublier, c'est quand même à elle qu'on doit les bibliothèques modernes et les hôpitaux. Quand les croisés sont arrivés pour la première fois dans tous ces pays-là, comme ça, hein, même s'ils sont pas allés jusqu'à Bagdad, mais ils sont dit, putain, mais c'est génial. Pourquoi on n'a pas ça, nous? Allez, on va y ramener, quoi. Pour une fois qu'ils ne ramenaient pas que des prunes. Non, mais voilà, c'est comment on a, nous, peuple d'Occident, réussi à avoir des hôpitaux et des bibliothèques, bah, c'est parce que les Arabes, à l'époque de la première croisade, en avaient, c'est tout. Et s'ils en avaient, bah, c'est parce que dans leur culture, 3000 ans avant, bah, ils avaient déjà des bibliothèques et des hôpitaux dans leur cité-état, de Ur, Uruk, Babylone, et ainsi de suite. Bibliquement parlant, de quoi bibliquement parlant? Hein, j'ai toujours connu Babylone comme... Voilà, c'est ça. Mais justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bah, parce que à un moment donné, il y a eu une rébellion en Judée. Après, voilà, t'appartiens à un empire, donc t'appartiens à un état, t'appartiens à un état, à un gouvernement. Si tu te rebelles contre ce gouvernement, forcément, faut t'attendre à te faire taper sur la gueule, ça c'est clair. Mais c'est encore valable aujourd'hui, hein. Et du coup, obligatoirement, la rébellion a été matée. Et voilà. Après, c'est une histoire de rancune, hein. Ni de rancune, ni plus ni moins. Et ah, ils nous ont machin. Alors que finalement, ceux qui. Parce que quand les Perses ont libéré les Hébreux après l'exil à Babylone, quand les Perses ont pris Babylone et qu'ils ont libéré les Hébreux, tous les Hébreux ne sont pas retournés en Judée. Et les textes de la Torah aujourd'hui, actuels, hein, qui ne parle pas de Babylone comme étant limite Ben Laden de l'époque, c'est ceux qui sont restés à Babylone. Et ils sont restés pas parce que ils pouvaient pas partir, soit parce qu'ils étaient prisonniers ou machin. Ils sont restés parce qu'ils en avaient envie, parce qu'ils avaient compris que s'ils voulaient apprendre des choses, c'était dans la cité, dans la ville. Qui était la ville qui rayonnait sur toute la région. Tu vas pas t'enfermer dans une grotte alors que tu peux aller à Paris, par exemple, pour des études ou autre chose. Je sais, voilà. C'est ça. Ceux qui sont partis, en fait, tous ceux qui sont partis après la libération des Hébreux par les Perses, c'est tous ceux à qui on doit les textes, enfin les parties de texte aujourd'hui de la Torah, qui vont décrier Babylone comme le fils de Satan. Ouais, je généralise pas non plus, hein, bien sûr. Faut recadrer le truc, parce qu'après je vais me faire taper sur les doigts par le peuple juif. c'est pas une généralité. Mais pour beaucoup des choses, c'est ça. Voilà. Alors que bah, les jardins suspendus. Ah, les jardins suspendus, c'est Babylone, oui, c'est Nabucodonosor.
Oui. Et les jardins suspendus, pourquoi? D'ailleurs, les jardins suspendus, c'est ce que je disais en début d'émission, en fait, les jardins suspendus, c'est le jardin d'Éden. En fait, en début d'émission, j'ai cité un passage de la Genèse. J'ai cité un passage de la Genèse qui parle justement des cités des jardins suspendus comme étant les jardins d'Éden. Je pense que tu as entendu parler des fléaux de sécheresse, sauterelles et autres. Ouais. Alors ça, disons que c'est pareil, ça va couvrir une énorme période, parce qu'il y en a, ne serait-ce, alors déjà, ne serait-ce que le déluge. Le déluge, ça appartient au mythe, enfin à l'épopée de Gilgamesh. Ça appartient à l'épopée de Gilgamesh. Et on a pris ça pour raconter une parabole biblique. Parabole qui est, entre guillemets, qui est tout à fait louable, hein. Mais qui n'a rien à voir avec la Judée, avec le monde biblique. Pareil pour les rois mages. Les rois mages, c'est un truc qui date. En fait, les rois mages, c'est une histoire, enfin une légende qui tourne autour de la naissance de Bouddha. Donc, tu vois, on est aussi loin du monde biblique. Pour ce qui est, de toute façon, des sécheresses, obligatoirement, disons qu'on n'est pas en Amazonie, hein, la Mésopotamie, ça se saurait. Donc des sécheresses, il y en avait. Heureusement qu'il y avait justement le Tigre et l'Euphrate qui permettaient d'alimenter en eau toute cette région-là. Et dans un documentaire que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, des scientifiques s'étaient posé la question comment ils avaient fait pour pouvoir irriguer, etc. C'est là qu'ils ont redécouvert tous les canaux d'irrigation qui encerclaient la ville de Babylone. Donc la ville de Bagdad actuelle. C'est à ce moment-là qu'ils ont redécouvert tout ça. Et donc en gros, ils détournaient des parties soit du Tigre, soit de l'Euphrate. Enfin là, on est plus sur le... Sur le c'est qu'il est sur l'Euphrate. Mais pour alimenter la cité. Alors ensuite, en fléau, on a le fléau, l'eau qui devient rouge et tout. Ça, pareil, ça est de temps en temps. Suivant X facteurs entre climatique et des machins, il y a l'eau, enfin la mer, voilà, qui devient rouge par pullulation de bactéries et d'algues, en fait, ni plus ni moins. Et donc, quelque part, c'est vrai sans être vrai. Donc, effectivement, l'eau est devenue rouge. Elle s'est transformée, on va dire, en sang. Hein. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec une divinité quelconque. On est purement dans des circonstances scientifiques bien particulières. Ah, ça arrivait, hein, il n'y a pas longtemps. Plus, ça arrivait il n'y a pas longtemps, pour les mêmes raisons. C'est là que d'ailleurs que les scientifiques se sont dit, mais attends, ça s'est déjà fait ça. Et effectivement, c'est là qu'ils ont compris, bah oui, bah, effectivement, ça y est, ok, on a compris. Alors, parce qu'ils se posaient la question, ils avaient fait des essais et tout, ils savaient que ça pouvait être plus ou moins ça, mais parce que ça s'était passé là il n'y a pas très longtemps, mais peut-être une dizaine d'années, un truc comme ça, j'ai plus la date en tête. Mais parce qu'ils ont vu que ça s'était passé, du coup, bah, ils ont pu comparer tout ce qu'ils voulaient comparer, hein, que ce soit d'une manière climatique. Comment, au niveau du terrain, etc., ils ont pu voir tout ce qui a pu être fait pour engendrer cette réaction. Donc c'est clair que si on ramène ça 3000 ans avant, voilà, c'est attention, c'est magique. Donc comme c'est magique, forcément, c'est Dieu. Les fléaux, bah, des façons. Bah, ça c'est pareil. Disons que alors pour tout ce qui est sauterelle, on est dans des civilisations qui vivent principalement de l'agriculture. Donc du moment que tu vis de l'agriculture, ça veut dire que tu as des champs. Et si tu as des champs, si tu veux nourrir les gens à l'époque, bah, il te faut du blé. De l'orge ou autre chose.
Et bah, manque de peau, c'est ce qui attire le plus les sauterelles. Donc, à un moment donné, quand il n'y a plus de bouffe à un endroit, elles vont à un autre. Donc, ouais, bah oui, à un moment donné, il y a des invasions de sauterelles, ça arrive. Regarde-nous aujourd'hui. C'est un exemple très bête, hein. Moi, je me souviens, il y a quelques années de ça, on a été envahis. Mais alors, quand je dis envahis, c'est les murs noirs, hein, de coccinelles. Pourquoi? Parce qu'il y a quatre connards qui ont balancé des coccinelles dans leur champ de patates pour pouvoir tuer des vermines. Et ben, finalement, quelque part, sauf que nous, c'est une migration volontaire, hein, qui est faite volontairement. Là, c'est une migration qui n'était pas très voulue, quoi, à la base, mais qui s'est faite pour les mêmes raisons. Pour pouvoir. Les sauterelles, elles se sont déplacées, c'est qu'il n'y avait plus de bouffe à un endroit. Nous, si on met des coccinelles, hein, là en ce moment c'est des papillons que j'ai, mais il y a quelques années c'était des coccinelles. Si on fout des coccinelles dans les champs, c'est pour éliminer des saloperies qu'on ne peut pas éliminer chimiquement. Mais voilà. On retrouve un peu le même système, mais avec des raisons plus ou moins différentes et similaires à la fois. Donc les fléaux, oui, des sauterelles qui arrivent dans des champs, bah ouais, je sais pas, c'est bon, moi ça me paraît plus que le probable d'avoir des bestioles dans des champs, je sais pas. Disons que c'est un peu comme si on va en forêt puis qu'on est étonné de voir des arbres. Je sais pas, moi ça me choquerait, forêt sans arbres. Ou alors on précise avant, forêt de pierre, ce qui existe aussi. D'autres questions ou pas? Pas de questions. Donc pour répondre à Ketrick Ken, la civilisation sumérienne, elle est dans le top 50 de mes civilisations favorites. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, écoutez, on va arrêter là. Je vous souhaite donc à tous une très bonne fin d'après-midi, une très bonne fin de week-end. N'hésitez pas à follow ma chaîne perso ou sur Facebook, Twitter, vous pouvez me suivre, etc. N'hésitez pas non plus à follow la chaîne, hein, Play The Game TV. Que dire d'autre? Et moi, je vous souhaite donc de vous revoir tous pour une prochaine émission. Je ne sais pas encore sur quoi ça portera, je ne sais pas quand elle sera. J'espère que mon générique de début, hein, parce qu'il est nouveau, j'en parle un petit coup, bah, il vous aura plu. J'espère que mon petit générique vous aura intéressé également. Je vais vous le remettre. Voilà, hein, vous me direz ce que vous en pensez, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Donc voilà, après, que dire d'autre, hein, que dire d'autre? Bah, moi, je vais vous proposer un truc. Pas être compliqué. Pour savoir ce que je vais faire pour une prochaine émission, moi je vous propose de m'envoyer des idées. Voilà. Donc n'hésitez pas. Hein, vous avez une civilisation que vous voudriez qu'on aborde, et ainsi de suite. Pourquoi pas, dites-moi ce dont vous voudriez qu'on parle. Et bah, j'essaierai de vous faire un petit truc là-dessus. Après, bah, je sais pas quand est-ce que ça pourrait être, je sais pas comment j'aborderai la chose, mais pourquoi pas, effectivement. Ouais, donc, envoyez-moi des MP, hein, Twitter, Facebook, voilà. C'est pas les possibilités qui manquent, mais de rien sans ça, mais de rien. Voilà pour l'intro. Bah, je suis content que ça plaise, l'intro. Voilà. Oups, trompette scène, pardon. Donc faites pas attention à ce qui va arriver. Gengis Khan, donc Temujin, pourquoi pas, pourquoi pas. On n'est pas dans l'Antiquité quand même, hein, parce que Temujin, c'est 12e siècle. Mais pourquoi pas, ouais, ça peut être intéressant de parler un petit peu de Temujin.
Je pourrais déjà l'introduire par rapport à la civilisation, enfin, la civilisation antique qui a précédé tout ça. Et ensuite, oui, faire une émission sur Gengis Khan, donc, de son vrai nom Temujin. Je précise parce que je dis Temujin là depuis tout à l'heure, mais voilà. Donc oui, effectivement, ouais, ça peut être une idée intéressante. Temujin, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais je crois que ça pourrait être amusant. Parce que là aussi, il y a beaucoup à dire, et quand on regarde bien, au final, bah, ça fait comme Nabucodonosor. Donc voilà. Donc je réitère mes propos, hein. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une très bonne fin de journée, une belle fin d'après-midi, hein, même s'il est qu'à peine 3 heures. Et je vous souhaite donc à tous de vous retrouver la prochaine fois pour l'Antiquité de A à Z. Bye bye tout le monde!